Je pense que la musique est trop forte par contre par rapport au jeu. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu mieux la musique comme ça? Ah merde, j'ai pas mis mon chat. Si la musique ça devient chiant, on coupera le son. Bienvenue Spikey, bonsoir, bienvenue chez nous. Oui. T'es sur le même serveur que Overdose vient de... Mais oui, notre ami Dyson. Mais il est pas là ce soir, Dyson, je pense. My god, ce look. Le look de Lila, c'est parce qu'il neige, j'ai mis une tenue d'hiver. Hop, c'est parti. Ça m'a fait mal à la tête, cette connerie. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? On va aller leur montrer de quel bout on se chauffe. Salut Marie-Pierre, comment ça va? Ah, vous savez ce que j'ai oublié de faire? De me mettre en GTA. Alors, hop. Voilà, j'ai changé mon titre. Hop, c'est parti. Alors. Oh! Vous êtes déjà là? Allô? Allô, ouais, ça va ou quoi? Ah, Dyson! Ah, comme... Dyson! Tu m'as oublié ou quoi? Non, je m'attendais pas à te voir ici, c'est tout. Ah super, donc tu voulais pas de moi quoi, super. Ah non, si, non pas du tout, genre j'étais triste justement, je me disais oh non, Dyson est loin, mon cœur saigne. Non, par contre, là, arrête de m'étonner par contre. D'accord. T'es dans quel coin? Toi t'es dans quel coin? Au parking central. Putain mais t'es toujours au parking central. Oui hein, j'aime bien ici, j'adore l'ambiance. Tu veux que je te rejoigne? Super ambiance, vas-y j'arrive au parking central. Ok, à tout de suite. Par contre raccroche s'il te plaît. Mais j'y arrive pas, je galère. Ok, c'est bon, je raccroche. Qui c'est qui a gueulé raccroche? Madame. Bonjour. Que vous faites là toute seule? Je faisais pipi en fait, mais bon. Ouais, bah, j'essayais de faire ça discrètement en fait. Je pensais que vous faisiez payer le... Enfin bref, non, qui pour quoi? Non, pas du tout. Oui, effectivement, c'est une erreur. Ah, d'accord. Désolé, vous vous trompez, monsieur. Oui, d'accord, bon, c'est pas grave. Désolé, hein. Bonne soirée, monsieur. Ah, ben... Il est sérieux, il m'a pris pour une pute. Maintenant que déjà il a, faut changer le titre. J'avoue. Merde, qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre? J'ai mis cavalier seul. Faut mettre autre chose, du coup. Salut, Liliane Abel, comment ça va? Non, mais elle a pas fait pipi, du coup, Itness, elle s'est fait interrompre, alors elle a décidé de pas faire pipi dans la neige. On s'en bat les couilles. Ah bon, on s'en bat les couilles apparemment. Comment ça va Liliane Abel? Ça va et toi? Ouais, ouais, ouais. Putain, quelle arrivée fracassante. T'as vu? On est beau gosse quand on arrive comme ça, non? La classe, la classe. T'as toujours pas cassé ta petite voiture? Non, mais par contre, j'ai eu un problème, tu vois. Genre, j'avais mis une batte de baseball dans ma voiture. Je la sors du garage, y'a plus ma batte de baseball dans la voiture. Ah. Donc je vais voir vite fait si j'ai pas une deuxième voiture dans le garage. Ah, une deuxième voiture qui serait exactement la même. Excusez-moi. On va se faire frapper avec toi là. Je vais rentrer ma voiture. Antonio. Ouais.
Tu connais ma vaca Gros Désir, oui? Il m'a aidé à chercher mon chat. Allez, s'il prend coup par choc. Hop là. N'écrase pas les gens, ça ne se fait pas. Ok, bah non, j'en ai qu'une ici. Putain, mais elle est... Putain, mais fuck. Ça craint, ça coûte cher en plus. Bah ouais, de ouf. T'as putain, pas pu te la faire voler? Bah non, 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 elle est dans ma voiture, tu vois. Bon, je crois que j'ai laissé une, je sais pas. T'as quoi de prévu, là? Bah rien du tout, je viens d'arriver à l'instant. Ok, moi, enfin, Bouddhiti m'a dit qu'il était occupé, je sais pas si tu branles. Mm. Quoi? Je sais pas. Quoi, tu sais pas? C'est quoi, c'est quoi tu sais pas? C'est ça, tu sais pas que je connais, ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais rien, juste... Vous êtes embrouillé ou quoi? Peut-être un peu. Pourquoi vous êtes... Eh, hey, tu vois comme je te connais par cœur, en vrai, hein? Pourquoi vous vous êtes embrouillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour rien, il m'embête. C'est... Voilà. Comment ça, il t'embête? Mais dis-moi! Non, mais j'ai pas envie. C'est pas un truc méchant, c'était juste... On s'est un peu chamaillé, voilà. Mais c'était quoi la raison du chamaillement? Que... Je... Comment dire... Rien, il a dit des trucs qui m'ont énervé. Mais il a dit quoi? Mais tu peux me parler, tu peux me le dire, tu vois, comme ça, moi je suis un peu la voix de la raison, tu vois, je te dis s'il a raison ou s'il a tort, tu vois. Et en fait, hier, on devait se voir en ville, et puis il me dit que j'étais au parking, et je l'ai attendu un peu qu'il arrive, et puis sauf qu'il a mis un petit moment et du coup pendant qu'il arrivait, ben moi je suis rentrée dans une des maisons sur le parking et je me suis posée pour discuter avec des amis. Sauf qu'après j'ai pas réussi à ouvrir la porte de la maison pour revenir sur le parking. En fait tu l'as fait poireauter quoi. Non ben pas ouais enfin après il était enfin voilà j'ai pas la porte était bloquée, j'ai pas réussi à revenir sur le parking, c'était voilà je pouvais pas. Et puis bon. C'était pas non, non plus la fin du monde. Vas-y, marche devant moi là. Bah, il fait froid, j'ai mis. Regarde, t'as vu, du coup, j'ai mis un truc. Ah, plutôt sympa ce truc. Bah, ça tient mieux au chaud qu'une jupe en fait. Ouais, bah, je me doute. Vas-y, viens, j'ai acheté des trucs vite fait à bouffer là, j'ai rien à bouffer. Ah, bonne idée. Yo yo yo. Ouais, 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 bonsoir. Bonsoir. Rentrez. Ça m'inquiète. Je vais faire ma porte à clé. Attention à la main. Ils sont bizarres. Putain, j'avais oublié que c'était la Hesse. Thiago. Ah ouais, il a béni son prénom. Il est bon, putain, mon dana ou pas? J'ai plus d'argent que. Ouais, cyber, cyber. Est-ce tu veux qu'on essaye de trouver de l'argent? Ah, faut qu'on trouve de l'argent. Ouais, on va zapper un peu ça, ouais. Thiago aussi. Vous voulez pas mettre de la crème mixée là, vite fait? Ouais, ouais, t'as le cheveu rose, frère. Rentrez, tradition, bon. J'ai braqué. Désolé, j'ai loupé un moment du chat là, vous avez dit des trucs et j'ai loupé. Non, en fait, toi, t'as pas un petit bandana là? T'as pas un masque? Ah, si, attends, j'en ai un. Ils ont l'air très bons vos sandwichs, monsieur. Parfait. Ouais, Dyson, ouais, je crois que je suis tout seul. Moi aussi, je tombe, c'est social ministre. Nickel, on peut. Et frère, ils sont sortis en couple, tu crois que je me sociabilise ou quoi, toi? Pourquoi tu pourrais pas te sociabiliser avec un couple? Bah, je sais pas, moi je vais pas m'avoir manque de respect, je trouve. Si t'es pas à l'aise avec eux, je sais pas pourquoi ils me faisaient un peu peur. Bon, tranquille, hein, ils sont gentils. C'est juste, c'est vrai, c'est des petits jeunes, tu vois. Tranquille. C'est vrai, c'est des gamins, ça. Ouais. J'ai peur des jeunes, moi. Ça me fait peur. Bon, tranquille, on raconte tellement de choses. On voit des choses sur les jeunes à la télé, ça me fait peur. Ah, des reportages. C'est ce que je lui dis, elle me disait qu'elle était pas confiante, mais je lui disais, vous êtes des petits jeunes. Et c'est à cause des reportages à la télé, on voit des choses sur les jeunes, ça me fait peur. Ah bah, ça peut se transformer dans la réalité, mais bon, on est sympa, tranquille. Bah non, c'est ce que je disais. Enlève ton truc, on va arrêter de lui faire peur, c'est bon. Ah bah voilà, ouais, mais moi j'aime pas enlever mon banana, tu vois pas. Et enlève ton masque. Vas-y, je l'enlève. Il est pas méchant. Bah oui, c'est vrai, quand on voit vos visages, ça me fait moins peur déjà. Non, c'est bon, arrête. Bah parce que caché sous un masque, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un démon, un vampire, on sait pas, tout ça. Voilà, tu vois, ça craint, on sait pas. N'importe quoi, ouais, non, là c'est chaud. Ouais, non, mais elle a un peu des idées un peu. Allez, on y va. C'est chaud, c'est chaud. Allez, bah, bonsoir, bonne messieurs, dames. Bonne soirée. Attends, je remets mon meilleur bandana du monde. Ok.
Et pas... Et le demi-tour. Ça c'est pas grave. Oula, bah, bah alors messieurs. Monsieur les agents, vous m'avez pas vu? Bah c'est vous qui avez fait... Ah non monsieur, alors écoutez-moi monsieur l'agent, j'ai bien regardé avant. Vous étiez à l'arrêt. J'ai commencé à reculer, vous avez avancé monsieur l'agent. Là, je ne suis absolument pour rien monsieur. Bon, laissez tomber, y a pas allez-y. Normal, allez-y. Allez, bonne soirée monsieur. Et merci Sommeil pour son laissez follow. Laissez pas tomber, revenez. Vous avez pas vu que t'avais follow, ouais, merci. Ah tu vois, hop là. Et c'est vraiment eux qui nous ont foncé dedans. Ouais, ouais, c'est vraiment eux qui nous ont foncé dedans. Moi j'ai rien fait, gros. J'ai reculé, c'est tout. Tu m'as appelé gros? Ouais, je t'appelle gros, ouais. Tu veux que je t'appelle grosse? Non, gros, je préfère à la limite. Ouais, gros, c'est mieux que grosse, non? Ouais, j'avoue quand même. Wesh, grosse! C'est bien, non? Tu sais ce qu'on pourrait faire? Non, vas-y, dis-moi, grosse. Alors, on pourrait aller passer une annonce pour proposer nos services de détective privé. Maintenant, là? Ouais. Non, tu veux pas? Ouais, vas-y, si tu veux. Ça peut, enfin, genre, ça peut être genre même. Ce que j'aimerais bien faire, c'est aller à. C'est aller à Paletto pour voir si j'ai pas oublié ma batte de baseball dans la voiture qui est à Paletto. Vas-y, on a... ouais, vas-y, on a le temps. Hein. Viens, on va passer au LSN, comme ça tu fais ton annonce. Et le temps que ton annonce elle passe et que les gens y répondent, bah, ça marche. Va, alors faut qu'on tire des sous quand même avant. Ouais, ça marche, mais faut qu'on tire des sous. Tu dois tirer des sous avant, tu sais où il y a un distributeur là, pas loin. J'aurais dû tirer là-bas. Attends, je tire plus dans les supérettes depuis que je me suis fait braquer dans une supérette. Comment ça tu t'es fait braquer dans une supérette? Ouais, c'est le jour où je suis arrivée, c'était une supérette, c'était les rouges. Et je me suis fait braquer dedans. Ouais. Jour de mon arrivée en ville. Je sais plus où le distributeur, il est là je crois. Il est par là. Là il y en a, c'est bon. C'est au PL. Ah c'est là, putain vas-y. T'es un peu bigleux quand même aujourd'hui. C'est la fatigue ou la neige? Pas grosse, tu vas te calmer là, ok. Vas-y. Ouais, tu m'entends sur la radio ou quoi? Elle qui est en radio lui? Lui il est rentré dans une famille, mais je sais pas à quel genre de famille. Vraiment tout seul sur la radio là? Allô la radio. Dyson seul au monde. Je suis vraiment tout seul sur la radio là? Mais non, enfin une réponse. On va tirer 600 comme ça on aura un peu de monnaie sur nous. Ok. Je suis avec Lila là moi, tu veux que je passe au beauty ici ou pas? Je suis avec Lila, c'est une pote à moi. Ok, bah, pas de problème. Vas-y. Bah, si t'as besoin, tu me le dis, ok? Ouais, c'est ça, patoche. Premier jour dans la ville et pouf. Salut Glicker, comment ça va? Mais non, Fanjo, il bosse. Quoi? Fanjo, il bosse. Ah bon? Ouais, c'est... il m'a dit, ouais, je bosse là. J'ai dit, ouais, tu bosses où? Et j'attends sa réponse. D'accord. Je crois qu'il devait travailler au gouvernement comme comme psy ou je sais plus quoi, la psychologue ou psychiatre, je sais plus. Là. Je pense que ça, c'était mal parti. Ah ouais? Attends, ouais. Donne-moi répondre. Il m'a dit c'est un peu compliqué. J'espère qu'ils ont pas de drogue. Hein. Oh. Il savait même pas ce que c'était de la coke. Ouais, c'est vrai ça. Du bah, coup, je pense pas que ce soit ça. Justement. Merde, j'espère qu'il s'est pas vu dans une situation compliquée. Et moi, je refuse de lui adresser la parole. Mais tu refuses de lui adresser la parole, de faire un gaming, t'as pas 15 ans. Non, c'est pour d'accord. Mais non, mais ça m'agace aussi, là, les trucs de merde. Je sais que ça t'agace, mais lui aussi, ça va l'agacer. Vous devez juste vous parler, vous allez vous faire un bisou, tout va mieux. Non, je vais mettre mon doigt dans son nez. En fait, tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? Il est jaloux parce que j'ai réussi à monter sur une sculpture en forme de carré. Voilà, et du coup j'ai mis les photos sur Life Invader et il est jaloux de ouf parce que j'ai réussi à monter deux fois sur la sculpture là, voilà. C'est ça qui se passe. Putain, vous êtes vraiment en train de vous prendre la tête pour ça, mais vraiment, vous êtes vraiment à ce point. Ah, c'est pour ça que j'osais pas te le dire, voilà. Putain, j'ai plus d'essence, sa mère. Oh. Oh. J'allais te proposer de te mettre le plein. Bah bravo, c'est pas la première fois. En plus là, on est coincé ici quoi, il va falloir appeler. Oh. Oh, j'ai réussi à mettre une réserve. Mon dieu! Bah, il faut vite qu'on trouve une supérette avec un. Ouais. Là, ça craint. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai trouvé une nouvelle technique! Il
Aïe aïe aïe, je sais pas si on va faire la route jusqu'au... Ah ! Oh ! Yes ! Tiens, si tu... Ok, c'est bon. Let's go, ça. Oh, on a eu chaud. Heureusement qu'on était pas loin. J'avoue que là, heureusement que ma voiture elle a un petit bouton magique, là. Ouais, c'était le fin fond de la réserve, par contre. Hein. Ouais, c'est le fin fond du fin fond du fin fond de la fin fond. Oh, on avait pu s'allumer, là. Ah bah voilà, tu l'as cassé, essaye de l'éteindre et de la rallumer. Ah bah, de merde. Si tu frappes dedans, ça n'ira pas mieux, mon ami. Bah si. Ah bah si. Allez, hop, là, voilà la technique de barde. Ah, ah. Ouf. J'ai fait du surf sur la neige. T'as fait du surf sur la neige? Ouais, en talon en plus. C'était stylé. Nice. On va au LSN là, ok? Ok. Oui, comme ça. Et c'est parti pour des aventures extraordinaires. Ok. Oui, attends, mais tu, est-ce que je... Okay. Tu te fous de ma gueule pendant que je parle, en fait. Ouais, je me fous de ta gueule, là. Mais... Bravo. Okay. Je savais plus ce que c'était, le LSN, du coup, là. Ok. Tu m'entends correctement, là? Ouais, je t'entends correctement, là. Et là? Et toi, tu m'entends correctement, là? Ouais, je t'entends correctement, tout va bien. T'as fait quoi ces quelques jours? J'étais pas beaucoup là, là. Tu t'es pas attiré des ennuis? J'ai cru que la voiture s'est arrêtée. Quoi, moi, des ennuis? Non, j'ai pas d'ennuis, moi. Non, jamais, jamais. J'ai que des solutions aux ennuis. C'est allez, des solutions souvent bizarres, mais oui. Ton annonce, là. Allez, à tout de suite. Ouais, tout de suite. Eh, mais pas trop. Non, je te connais, hein. Nya, 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 nya. Ouais, y'a pas de nya, 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 nya. Ah, oh, ils ont mis un arbre de Noël! Oh, c'est beau! Dyson! Dyson, ils ont mis un arbre de Noël! Oui? Eh ben, il y a des cadeaux, on peut peut-être les voler? Putain, t'es vraiment un chipien. Ouais! Ah, tu vois, j'étais sûr que ça te plairait. Non, on peut même pas les prendre, c'est une action. Je suis derrière toi, là. Oui, c'est très inquiétant. Je suis derrière ton oreille, là. Après, je sais pas si une grande annonce ça passe. Un seul genre, donc c'est un thé. Putain, mais pourquoi il y a une faute tous les deux mots là? Chut, super, j'ai faim, chuchute. Bonne nuit, Liliana Belle. Et voilà, c'est la plus belle annonce du monde. Besoin d'un détective privé, filature, recherche en tout genre, oreille indiscrète, appelez-la au 5-9-8-3. J'ai oublié un lit. Il y avait lit là, normalement. Ah, appelez-la. Ok. Ça fait bête, du coup.
Bah ça fait con, ouais. Par contre, du coup, tu comptes y aller parce qu'en fait, pour être détective privé, oui, faut que ça reste dans le domaine privé, tu vois. Donc si tu dis à tout le monde que c'est du là détective privé, bah t'es plus privé, tout le monde sait que t'es détective privé, donc tu sers plus à rien. Oh mais y a déjà quelqu'un qui m'appelle. Chut, avec tes raisonnements bidons. Allô? Ah, allô? Oui? Ouais, vous êtes une dame? Oui, c'est... Oui, je suis une détective, oui. Je suis ah, une dame. Vous allez bien, madame? Oui, vous, monsieur? Ouais, tranquille. Vous savez, je cherche quelqu'un, là. Je travaille avec un collègue. C'est vrai? Vous cherchez quelqu'un? Je peux... Ouais, je travaille avec un collègue. Cherche un individu, s'appelle Sheldon, il avait les cheveux verts, mais il a disparu il y a quelques temps. Sheldon, les cheveux verts? Attendez, je note ça. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au strip club. Au strip club, c'était dans combien, c'était il y a combien de temps? Bah c'était il y a une semaine. Hop. Alors ce que je peux vous proposer, c'est que bah, je vais faire des recherches de mon côté et que dès que je trouve des informations, je vous envoie un message et pour voir ce qu'on fait, si vous avez besoin des infos, qu'on se voit pour négocier le prix ou quoi. Ça vous va? D'accord, très bien madame, merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. 064-585. Ah ah, ma première enquête. Alors là, attends, je finis d'écrire dans mon carnet. Oh putain. Alors c'est une personne qui cherche quelqu'un qui s'appelle Sheldon, qui a les cheveux verts, qui a disparu depuis à peu près une semaine. La dernière fois qu'il a été vu, c'est au strip club. Il cherche des informations sur cette personne. Alors je regarde si j'ai pas un Sheldon dans mes répertoires. Je fais pareil dans mon petit carnet. Bon, j'ai rien du tout, j'ai pas de Sheldon. Du coup, elle sait pas, peut-être aller voir au strip club un peu ce qui se passe. Ok, vas-y, tu vas faire ton enquête, hein. Let's go, on va aller au strip club demander ça. Attends, yes. Mais par contre, j'aimerais bien aller à Paletto chercher, voir si elle m'a batte avant. Bah vas-y, pendant ce temps-là, je regarde dans mon carnet. Ah ah, première enquête de Lila, les gars. C'est un peu loin, Paletto, hein. On a 10 km à faire, hein. Donc t'inquiète, bah pendant ce temps-là, je regarde bien dans mon petit carnet s'il y a quelqu'un qui s'appelle Sheldon, parce que j'ai noté les noms de tous les gens que j'ai croisés. Vas-y. Ouah, il y a une limousine, là. Waouh. Suivons-la. C'est votre ascenseur d'Adastra, une seule prend des notes sur du papier. Ça marche. C'est peut-être le fameux Sheldon. Je pense pas. On dirait des filles. Si on passe devant. Vas-y, si on passe devant. Vas-y, passons devant au ralenti, ouais. On dirait une soirée privée, il y a un arbre de Noël et tout. Ouais. Bon, bah je sais pas qui c'était. Bon bah je sais pas qui c'était, hein, tant pis. Hein. Dans la limousine ouais. Ouais, c'est une soirée privée, c'est tout ce que je sais. Hein. Tu veux qu'on y rentre? Non mais non, on va pas rentrer dans une soirée privée. On peut pas non mais je peux nous faire inviter à une soirée privée. La personne qui organise pratiquement toutes les soirées privées, c'est mon Mac là. Enfin, je dis mon Mac, c'est pas mon Mac, mais il s'appelle Mac. Ouais, c'est pas ton Mac, ouais. C'est son nom, il s'appelle Mac, en fait. Ok. Ah, vas-y, demande-lui si c'est lui qui organise la soirée privée. Je vais lui demander, ouais. Attends, je finis quand même de regarder sur dans le carnet, là, parce que ça serait trop cool qu'on ait ce Sheldon dans notre carnet. C'est vrai, ça. Il y a peut-être des légers drops, effectivement. Bonne nuit, Ryan Lee. Merci d'être passé, mon petit. Je suis toute excitée, c'est ma première enquête, je suis trop contente. Il y a quelqu'un qui nous a appelé direct en plus, c'est trop cool. Ça veut dire qu'on ouais, va, ça va trop bien marcher notre truc de détective là. J'ai pas pensé à combien, genre, je pense faire un peu comme ça, tu sais, pas forcément rencontrer les gens, mais par téléphone, voir ce qu'ils ont besoin, et puis quand on trouve des infos, les rejoindre, et puis voir avec eux. Là tu leur fais payer combien l'enquête? Bah je sais pas trop. Ça dépend des résultats, je pense leur faire payer les renseignements en fait. Tu vois? 10 000 hein. Là c'est pour un mec qui a disparu, hein. Tu demandes 10k hein, si on le retrouve. Hein. Ouais, si on le retrouve, ouais, voilà. Si on le retrouve même mort, hein, bah les couilles. Hein. Il s'appelle en fait, comment tu m'as dit? Il s'appelle Sheldon.
C'est quoi son descriptif? Et il a des cheveux verts. Et c'est tout ce que je sais sur lui. Okay. Apparemment, il avait l'habitude de traîner au strip club. Ça te dit quelque chose à un mec qui s'appelle Sheldon et qui a les cheveux verts? It was at this moment that he knew. Ah, oh, merci, Super G1 qui a offert un sub à Ryan Lee. Ok, qui s'appelle Sheldon. Merci, c'est super gentil pour Ryan Lee qui est souvent là en plus, donc ça fait vraiment plaisir. Merci, Super G1. Mettez plein de petits cœurs pour Super G1 et pour Ryan Lee. Merci à toi, mon frérot. Qu'est-ce que vous pensez de cette première enquête, Sheldon, les gars? C'est la famille qui s'occupe de l'unicorne en fait. Oh mon dieu, d'accord. C'est leur fils? Bah je pense, ouais, je viens d'avoir l'info là. Ah, ça alors. Salut. Coucou Liana. Comment ça va? Alors, je sais pas, est-ce que je rappelle la personne pour lui demander, en gros... En fait, j'ai pas posé de questions, je trouve que c'est bien de pas poser de questions. Comme ça, les gens sauront qui peuvent me... Non mais genre, dans le sens, pourquoi ils le recherchent, je pense que c'est bien de pas me mêler des affaires des gens, comme ça ils sauront qu'ils peuvent me demander ce qu'ils veulent et que je me mêle pas de leurs affaires, tu vois. C'est vrai. 24, je suis en temps libre pour l'instant, mais si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me le dire, ok? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Un petit boulot de lavage dans les sociétés. Et du coup, on se tempère au niveau de la société, et du coup, quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent, quoi. Moi, j'avais... Ah, tu nettoies, c'est pas des voitures? C'est pas des voitures que tu nettoies? C'est des entreprises, tu vois, je nettoie les locaux. Fais gaffe, elle est dangereuse, cette route. Déjà, quand il neige pas, elle est dangereuse. Je suis contente parce que là, je suis en ville pour tout le week-end non-stop. Je monte à Paléto, là. Bah, quartier libre, pour l'instant, y a pas de... T'as raison, Liana, il faut te reposer, te détendre. Pouf, prends le temps de souffler. Ouais, carrément, c'est où, ça? Ce soir, il y a une manifestation pour tout casser, apparemment, parce que le gouverneur, il a fait de la merde. J'ai une info, là. Ah bon? Tu veux qu'on aille tout casser? J'ai pas trop envie de tout casser. Avec vous, on va tout casser, let's go. Quoi? Ok, ça marche, pas de problème. J'ai pas envie de tout casser. Ouais, il y a une manifestation, l'heure, elle va être tenue bientôt, là, et apparemment, ils vont faire une manifestation pour tout casser en ville, parce qu'ils sont contre les lois du gouverneur. Oh mince, tu veux y aller? J'ai pas trop envie qu'on casse tout. Si tu veux défouler un peu, let's go. Je vais juste ma voiture là du coup. Je pense que je vais y aller pour faire des photos moi. Alors je regarde. Votre véhicule a passé sur le parking. Ah ok. Hop. Bonjour. Hello ma chère. Vous avez un magnifique manteau. Oh, thank you, j'adore votre bonnet également. Oh, merci, c'est gentil. La couleur violette, c'est ravissant, ma chère. Ah ouais, je trouve aussi, ouais. Hello, mon cher. Bon, vous êtes au courant que la messe a été annulée? Je suis vraiment fait carotte ma batte de baseball par le garagiste. Ah, 22h30 au gouvernement, hein. Mince, c'est ton volet ta batte. On va crier encore. Ouais, ils m'ont volé ma batte de baseball. Zut, faut voir ses plaintes. Et God bless, magnifique manteau. God bless, monsieur. Il a un très très beau manteau. Je suis... subjugué. C'est à quelle heure la manif? C'est à 22h30, non? C'était lui qui disait ça là, non? Il en parlait pas là? Non, il parlait de la messe qui a été annulée, parce que d'habitude je vais à la messe. Ouais, mais c'est à cause de ça justement, c'est la messe, elle a été annulée par le gouvernement et c'est pour ça qu'ils vont manifester. Oh, regarde, une poule géante! Oh, pardon. Il y avait une poule géante sur le bord de la route, mais pardon, ça n'avait pas de rapport. Ah, c'est pour ça que la messe a été annulée! C'est pour ça que, en fait, non, la messe a été annulée et du coup les gens vont manifester et tout casser. Et ben moi, il faut absolument que j'aille faire des photos de cette manif. Il faut que je prenne un masque. Bon, on y sera parce que moi je vais prendre un masque et je vais aller tout casser donc. Ok. Par contre, est-ce que t'as de la thune à me filer pour que je m'achète? Ouais, bien sûr. Faut juste que je tire de l'argent. Ouais, vas-y, bah je te la donne super à toi. Vas-y, tu me l'avances et je te la rembourserai. T'inquiète. Okay. Ah bah, y'avait des trucs pour. Ah non, c'est peut-être pas un truc pour tirer qu'il y avait là-bas. Je crois qu'il y avait un truc pour tirer juste derrière toi. Ah ouais? Ouais, il me semble, ouais. Attends. Je peux jouer avec le garagiste de la ville pour qu'il me rende ma batte de puzzle parce que je suis sûr qu'il me l'a pris quand j'ai rangé la voiture. Et ouais, carrément, ouais. Je sais pas s'il te le rendra par contre. Bah, j'aimerais bien quoi, parce que franchement, ça me saoule là en fait. Regarde, c'est pas ça là? Si, il me semble que ça, c'est ça. Ouais. C'est là. Super. Hop! C'est combien une batte? Je sais plus combien c'est. Au pire, je vais te prêter 5000 et. Prends 5300, je crois.
Alors je vais lui tirer 5005 pour lui et moi je vais me tirer bon allez, je vais tirer 7000. Comme ça je lui file 5005 et moi ça me laisse des sous pour tirer mon masque et tout. Ok, tu gères, vas-y, c'est bien. Avec plaisir. Ils ont voulu acheter ça. Parce que c'est souvent grâce à lui qu'on travaille quand même, genre. Les dernières fois et tout, genre moi j'aurais pas pensé à aller demander à tout le monde pour laver les voitures et tout, et ce soir-là on s'est fait mastume quand même, donc c'est quand même beaucoup grâce à Dyson tout ça, donc c'est normal qu'il y ait une part qui lui revienne. Tu crois que Boule de Yeti il va aller casser des trucs? Non, je pense que Boule de Yeti. Ah ouais, je sais pas, non, je pense pas. Je sais pas. Je crois qu'il voudra plus jamais me parler. Mais non, t'inquiète. À cause du cube, c'est sûr. Et je t'enferme dans la voiture, j'arrive. Ok. T'as peur que je fasse des bêtises? Dyson, c'est un gars sur moi depuis le début. Lila, elle s'entend vraiment bien avec Dyson. Elle a pas énormément d'amis. Elle a Sayu, Ivy, du coup. Dyson et Boule de Yeti, c'est trois amis. Et puis... Et puis d'autres aussi, mais bon. Ça te fait plaisir de faire ta première enquête, mais carrément, carrément. Et toi, Ryan Lee, ça te fait plaisir d'être sub maintenant? T'as tous les petites emotes de la chaîne. Voilà, enfin, elle est remise dans mon cas. Non, on va aller au tequila. Et toi, nous, voilà, merci Delpho, c'est le nom que je cherchais. On va en même temps la manifestation pour tout casser. C'est exactement le nom que je cherchais, merci Delpho. Let's go, ça! Et toi, tu prendras les photos et moi, je casserai, ok? Ok, ça marche, mais je veux mettre un petit masque. Comme ça, tu prendras des belles photos de moi en train de casser, d'accord? Ok, avec plaisir. Let's go, ça. C'est bien, ça fait un moment que je cherche un événement comme ça à photographier, donc ça me fait plaisir. Pour deux petites secondes. On va pouvoir, vous savez quoi, on va prendre les photos et on va les mettre sur le blog anonyme. Le but, c'est de trouver les têtes des gens et de faire des photos hyper cool pour le blog anonyme. Pour que les gens voient que quand il y a des événements à Los Santos, et ben il y a un photographe anonyme qui est là pour prendre les photos. Pour les dénoncer. Le but, ce sera d'essayer de prendre les gens sans leur masque. Hey, Encart, salut! Bienvenue sur le live! C'est quoi ce petit hey beaucoup trop mignon? Vous avez vu cette emote trop chou? C'est un chat? On dirait aussi un petit peu un raton laveur. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je crois qu'on n'a pas vu la même chose. Non, ah j'étais... Non, en fait, j'étais en train de m'endormir et j'ai rêvé que la voiture, elle faisait un écart. Tu cliques comme ça, ouais, mais dernière fois que tu cliques comme ça. Hein. Oui, j'ai fait un cauchemar, excuse-moi. Ouais, mais tu m'as fait trop peur, là. Ils vont tous être masqués, je pense aussi, Delpho. Il est dépassé par un Grumpy Cat. Ça m'arrive beaucoup. Effectivement, il fait un petit peu une tête renfrognée. Il est mignon. Il est là? Oui, bah j'étais en train de somnoler, c'est pour ça que j'ai cru que... C'est pour ça que j'ai crié fort, okay, j'ai eu peur. Quand on s'endort et qu'on rêve que la voiture elle sort de la route, et bah ça fait pas du bien, je te le dis. Mais c'est bien aussi parce que j'avais le hockey et ça m'a fait tellement peur que maintenant ça va beaucoup mieux. Ah bah ouais, je me doute, mais même moi tu m'as fait peur, ça m'aurait enlevé le hockey tout de suite. Hein. Putain, cette route en même temps elle est tellement dangereuse, sous la neige là. C'est vrai. Toujours aussi insupportable, merci Witness. Tu peux créer une page sur Invader pour posséder vos... Oui, oui, j'en ai une, et du coup j'en ai une... mon perso, elle en a une à elle, et elle en a une anonyme en fait, où elle poste des trucs sans que personne sache que c'est elle qui a pris la photo. Du coup c'est sur celle-là que, en général, j'ai rien à mettre, parce que je mets des trucs qui dénoncent un peu, des trucs qui se passent en ville, quand il y a des rassemblements, ou quand il y a des gens qui sont à des endroits où ils devraient pas être, et que j'arrive à prendre la photo sans qu'on sache que c'est moi. Je la mets sur ça. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que je vois mon truc qui lag, qui repasse dans le rouge. Vous me voyez bien? Ça lag pas trop là? Parce que je pense que je vais devoir la mettre sur je vais devoir mettre ma box sur mon appui de fenêtre. Attends, je mets mes écouteurs 5 secondes parce qu'il faut que j'ouvre ma fenêtre de ta voiture et du coup ça me demande beaucoup de concentration. Vas-y, vas-y, on fait ta bien. Écoutez. Je vais en profiter pour aller faire pipi, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'en ai pour 2 secondes. Merci pour le follow, Maxlel. Bienvenue dans la famille.
Alors, je vais faire pipi, j'en ai pour à peine 3 secondes, je coupe le micro du coup. Et puis je lance une petite pub comme à chaque fois que je vais faire pipi, hein. Hop. À tout de suite. J'ai lancé la pub, donc il reste que les subs. Les subs, je vous aime. Je mets mon micro en mute pour aller faire pipi. À tout de suite. Et puis je mets la box sur la petite fenêtre. Hop là, je vais parfaitement bien là. Ok, je suis revenue. Witness, j'ai lu ce que t'avais dit, mais genre, c'est le genre de blague. C'est le genre de blague qui n'est pas drôle. Witness, je déteste quand tu dis des trucs pareils. Genre, tu sais, en plus, je t'ai déjà dit d'arrêter ça, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas ma chaîne ou quoi, ils débarquent, ils disent un truc comme ça, et ils se disent, si un mec qui est sub chez elle dit des trucs comme ça, ça doit être vrai, tu vois, genre. T'imagines même pas la sale répute, comment ça va vite sur Internet. Arrête de faire des trucs comme ça, bordel. En carte, qu'est-ce que je faisais debout sur mon lit? En fait, je mettais ma box sur mon appui de fenêtre, parce que, en fait, j'ai une box 4G qui capte très mal. Ah, c'est bon, j'ai enfin réussi à ouvrir ta fenêtre, et je peux mettre mon doigt dans ton nez. Arrête de mettre ton doigt dans mon œil. Oh, là, t'es pas marrant. Comment ça, je suis pas marrant? Je lui dis, t'es pas marrant, tu parles avec qui là? Bah, toi, j'ai même pas le droit de mettre ton doigt dans ton nez. Ah putain, et voilà, comme toi. Oui, excuse-moi, je pensais que ça serait rigolo de mettre mon doigt dans ton nez, mais finalement, pas du tout. C'est pas rigolo de mettre ton doigt dans mon nez, tu crois que ça se fait en fait? Tu crois que les gens ils aiment bien qu'on mette des doigts dans leur nez? Bah, apparemment, non, t'as l'air fâché. Bon, ça va tranquille, je suis pas fâché, je m'en bats les reins. Ouf! C'est juste pour mettre un petit coup de pression. Ah oui, j'ai eu un peu peur, j'avoue, je croyais que t'étais triste. Triste de quoi? Oh là là, et là, il y en a forcément, ils ont dû se manger le tremplin, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien le faire un jour, tu vois. Tu crois? Mais non, il y a un quoi mourir là. Mais je vais mourir. Et ouais, en carte, moi non plus, j'ai pas la fibre. Et genre, c'est hyper chiant. Du coup, des fois, mon stream il se coupe complet. Faut qu'on pense à s'arrêter voir un sapin. Mais c'est encore dans le rouge en plus, bordel! Un sapin? Tu vois un sapin dans la rue, tu t'arrêtes. Pourquoi faire? On s'y arrête, ok. Parce que... je sais quoi. Peut-être que il se passe des trucs cool, non? D'accord, ouais. On a vu un sapin au LSN et y'a rien, en fait. C'est genre là qu'il y a des cadeaux, moi. Bah, y'a peut-être des cadeaux sous d'autres sapins. C'est arrivé brutal. Bon, allons voir pour notre première enquête, du coup. Vas-y, faut faire ton enquête, là, ok? Ouais. Alors sois concentré, et sois plus centré que con, hein, je te connais. Ah merde, comment je vais faire ça? Bah tu te centres et t'essayes de pas être naïf et bête. Tu sais que je peux travailler ici en plus, c'est peut-être plus facile pour avoir des infos. Ouais mais non, mais arrête de faire la... Ouais non, mais moi j'aime pas parce que quand tu fais la Google Dances, après je me retrouve tout seul comme un espèce de gros. J'avoue, je ferai ça quand t'es pas là. Bah ouais, c'est bon. Ça m'a saoulé un peu là. J'ai vu, tu m'as envoyé salope et tout en là. Plus, je genre, mais t'as pris, bah ouais t'as pris... 10 000 euros la soirée mec. Ouais, ça m'a saoulé, vas-y, m'en parle même pas. Pourquoi moi je suis pas une meuf avec des 1 simple? Putain, on paierait 10 000 balles la soirée. Bah, ça pourrait être pire là, au moins l'argent on se partage un peu. Ouais, c'est vrai ça. Il y a personne dedans? Bah, on dirait bien, ouais. Je vais aller voir. Non. Voilà, la musique est tellement forte. Ah, oui, c'est insupportable.
Bonjour. 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 Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien et vous? Bah ça va très bien, merci. Ma collègue a une question à vous poser. Vas-y, pose une question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Sheldon? Il a les cheveux verts. Ah oui? Des cheveux verts, non. Il n'a pas les cheveux verts. Il a des cheveux de quelle couleur? Rouge. Rouge, oh là là, mais putain. Ben, un petit peu comme moi. Ou entre vous et moi, mademoiselle. D'accord. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Hier. Oh, bah voilà, il paraîtrait qu'il aurait disparu, du coup moi je m'inquiétais pour cette personne. Ouais. C'est qui vous a dit ça? Mais c'est un bruit qui court. Freebird ou Buck? Alors j'ai pas son nom de famille, juste quelqu'un qui s'appelle Sheldon qui a disparu. Non mais ils sont trois. Ils sont trois à s'appeler Sheldon. Ah. Ça c'est intéressant. Ouais, bah, y a le Donc c'est peut-être pas celui-là dont on parle. Ah mais il y a le père et les deux frères. Mais ils s'appellent tous Sheldon. Attendez, je vais... Bah oui, c'est leur nom. Ah, c'est leur nom de famille. Ah, oh, je croyais que c'était son prénom, moi. Non. Et vous êtes? Moi, je m'appelle Lila. Et vous travaillez dans quoi? Ben, j'ai pas vraiment de travail, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'inquiétait pour Sheldon, et je lui ai dit que comme j'avais rien à faire, j'essaierais de prendre de ses nouvelles, et j'ai dit, mais je le connais pas, mais je peux bien essayer de trouver si quelqu'un l'a vu, si tu veux. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Y'a personne de ta famille J'aurais aimé travailler un peu plus, c'est ce que je vais dire. Non, bah non, madame, vous... Enfin... Bah, je vais pouvoir rassurer mon amie. Bah, apparemment, y'a une personne qui a dit à une demoiselle qui te vend ton bar, comme quoi, qu'il y aurait un Sheldon qui a disparu depuis une semaine. Sauf que moi, je vous ai vu pratiquement tous les jours, toute la semaine, donc ça m'a paru bizarre. Ouais, je sais pas. Bon, bah, c'est très rassurant. Mmh. Ouais, je te suis d'accord. Bisous. Drôle de première enquête. Ouais, ah bah c'est bien, je suis rassurée. Je vais pouvoir dire à cette personne si je la retrouve que. Et c'est qui la personne alors? En fait, j'ai pas son nom. C'était juste un mec avec des cheveux noirs et des lunettes. Il disait qu'il s'inquiétait parce que Sheldon avait disparu. Je suis même pas sûre qu'on parle du bon Sheldon. Ça tombe, c'est quelqu'un que son prénom est Sheldon, hein, peut-être. Parce qu'il a dit que c'était quelqu'un avec des cheveux verts. Et du coup, je trouvais ça bizarre comme histoire. J'ai voulu me renseigner, mais. C'est Sheldon, il travaille à l'Unicorn, les trois. Mais c'est peut-être un autre mec, et que son prénom, c'est... ça doit être ça, ça doit être un mec, et son prénom c'est Sheldon, et ça doit pas être quelqu'un d'ici, je pense. Bizarre. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Merci de nous avoir aidés, à mon avis c'est quelqu'un de complètement différent. Merci quand même. Oui, mais ça fait bizarre de... Ouais, mais là c'est parce que c'est son prénom, Sheldon, donc là c'est pas la même chose, je pense. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pour ça on est venu ici, comme c'est un bar, on s'est dit il y aura sûrement des gens qui... Mais bon, ça doit être un autre Sheldon. Mais merci, c'est super gentil de nous avoir aidés, c'est vraiment gentil. Mais moi, je penserais plutôt que vous savez que les Sheldon travaillent ici, et c'est pour ça que vous êtes venu. En fait, on m'a dit que la dernière fois qu'on avait vu ce mec, c'était la semaine dernière, et qu'il était ici. Ici, ouais, et qu'il avait demandé une danse privée. Aussi. Je le cherche parce que la personne qui était avec moi m'a dit qu'il avait disparu. Du coup, moi, je voulais l'aider parce que je m'ennuie. D'accord, vous êtes comme moi, quoi. C'est ça. En fait, j'aime bien les trucs un peu bizarres et tout. Quand il y a des mystères, ça m'intéresse. Surtout qu'il s'est passé pas mal de trucs bizarres ces derniers temps et avec des gens qui disparaissent. Et du coup, je me suis dit, la prochaine personne qui disparaît, je me penche sur la question. Et du coup, pourquoi je suis ici? Mais. D'accord, ok. Mais comme la personne a bien insisté qu'il avait les cheveux verts. Ah, les cheveux verts, c'était des familles, non? J'en sais rien, je vais essayer déjà de retrouver cette personne et de lui dire que ces informations elles sont bizarres. Vous travaillez ici? Non. Et votre nom c'est comment? Mes amis. D'accord. Moi c'est Sarah. D'accord, bah enchantée du et, coup, moi et c'est vous, Lila. Vous êtes comment? Vous appelez comment? Lila. Lila. Et c'est vrai que j'aime bien tous les trucs un peu bizarres et là du coup comme c'était une histoire de disparition, je me suis... voilà, je me suis un petit peu imposée dans le truc en disant « Ah bah moi je vais bien chercher et tout ». Mais finalement, ça devient plus bizarre qu'autre chose s'ils ont pas du tout disparu. Ah oui. Du coup, je me demande pourquoi cette personne-là, elle me fait chercher des gens qui ont pas disparu. Surtout que vous m'avez dit une semaine. Et moi, ouais. C'est une semaine que je viens tous les jours et que... Mais il y a beaucoup de trucs qui collent pas, il a pas les cheveux verts non plus, donc ça... Non, pas du tout. Et du coup, en plus, la personne, il m'a dit, il s'appelle Sheldon, mais genre... Ouais, je sais pas. Il a les cheveux comme vous, mais avec des mèches de ma couleur à moi. D'accord. Non, j'ai jamais croisé cette personne.
Et sinon, lui c'est Freebird, son frère aussi, elle a la même coupe et la même couleur. Par contre, leur père, non, et leur père il a des cheveux très châtains. Mais ils ont cette coupe, non, pas la même coupe que vous et moi. Ah non, 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 non. Ah couleur. Oui, ah mais du coup, oui, je les ai déjà vus. En fait, que... la couleur c'est un mix de nous deux. C'est ça. Mais en fait, du coup, je les ai déjà vus parce que des fois, enfin, je suis venue danser une fois ici déjà. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a fait le contrôle. C'est un des deux. C'était Freebird, je crois. Attendez. Je l'ai noté dans ma tête. Attends, je sors mon petit carnet de ma poche. Hop. Putain, mais je sais pas pourquoi mon ami s'excite comme ça là. Il doit avoir un problème. Il a un peu de courir. Bon, attendez, je vais aller voir ce qui se passe parce qu'il est un peu bizarre. Mais j'espère qu'on se recroisera bientôt. Vous êtes très sympathique. Oui. Bah, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Merci à vous également. J'aurais dû préparer un truc intelligent à dire quand même. Ouais. Hey, tu parles trop. Voilà, bah oui, mais il faut parler beaucoup dans les enquêtes comme ça. Pourquoi tu prends ma voiture là? Ah, je sais pas. Je pensais qu'on s'en allait. Pourquoi tu prends ma voiture en fait? Bon, d'accord, je te laisse la place. T'es un peu emballé là, non? J'avais froid, je voulais juste me mettre à l'abri. Tu veux me laisser ma place du coup? Bah, tu vois pas que je t'ai laissé ta place, non? Ah bah non, là je suis en conducteur, je suis en passager. Aïe. Là. Ah putain! Allez hop, tu dégages. Bah t'es sérieux mec? Et pour moi t'étais pas là, pour moi t'étais pas là. Hop, pas putain, là. La gueule de la neige, je crois, j'ai froid maintenant. Ah merde, c'est mon stream qui saute. Attendez, bon, je vais mettre... pour faire ta petite enquête. Alors non, déjà... Moi, j'ai mis ça, non. Ouais, vas-y. Et du coup je mets mes écouteurs 2 secondes encore, là j'ai un souci. Et non, mais de la musique, ça me calme. Mais oui, c'est rageant. Bon, alors je vais remettre ça plus haut sur la fenêtre que ça arrête de dropper comme ça. Hop là. Descends, non? Lila! Lila, L-I-L-A. Lila! Oui, pardon. Oh, putain. Et qu'est-ce qui se passe? Bah on est arrivé. Eh oui, mais j'étais, comme je t'ai dit, j'avais un tout souci. Qu'est-ce qui se passe, elle a dit? Mais c'est bon, j'ai réglé mon problème. On est... Salut le rageux. C'est ça que t'as réglé ton problème là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Plein de problèmes. Oui, non, ça doit être réglé là. Oui, je sais, ça m'agace tellement. Fais gaffe, il y a une bite. Ouais, j'ai une bite. Ah, on est... Oh, un sapin. Ah ouais, vas-y, un sapin. C'est une lettre au Père Noël par terre, regarde. Putain, mais y'a pas de cadeau. Y'a une lettre au Père Noël. Mais j'ai pas de lettre au Père Noël, j'ai même pas de cadeau, wesh. Vas-y, m'a saoulé le Père Noël. Ah, mais c'est pas une lettre, c'est un papier de bonbon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, je sais pas, c'est toi qui m'as dit de venir ici. Ah, moi? Bah ouais. Non, c'est pas du tout. Je sais pas. Ouais, c'est toi qui m'as dit ça. Je me rappelle pas avoir dit ça. Je t'ai dit au commissariat pour demander, tu m'as dit oui. Mais qu'est-ce qu'on va leur demander? Non, on va essayer d'appeler plutôt le mec qui cherche. Vas-y, t'es re... Oh, attends. Utilise 1 sur le sapin. Ah bon? Il y a des trucs sur le sapin? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! J'ai reçu un cadeau de Noël. Mais comment ça tu l'as reçu? Pourquoi moi je reçois rien? Eh ben, peut-être si tu regardes le sapin. Ouais. Et que bah tu fais comme mais si t'allais regarder dans ton sac. Merci encore. T'as rien reçu, t'as peut-être pas été assez sage. Ah ouais, vous avez reçu un petit quelque chose. Ok. Oh, de l'alcool. Putain, j'ai eu un paquet yes de chips. Yes, meilleur cadeau du monde. Putain, un paquet de chips. Et moi, un cocktail texan. Ah, j'adore les cadeaux de Noël. Viens, on retourne au truc de la presse, savoir le deuxième cadeau.
Vas-y, mais pourquoi j'ai un putain de paquet de chips de merde, moi ? Moi j'ai un cocktail, moi j'ai un cocktail. Parce que j'ai été un cadeau, t'as cru qu'il y avait des cadeaux à tous les... J'ai été une petite fille sage. Oui, il y en avait au truc de la presse, il y avait un sapin, on n'a pas pensé à prendre des cadeaux. Allez, au galop. Merci beaucoup, Encarte, c'est trop cool. Pour info, si jamais vous avez besoin de petits cadeaux, il y a des petits cadeaux de Noël au sapin de Noël, je viens d'en ramasser un, là. Ah, mais apparemment, le Père Noël vérifie qu'on en ait bien que un par jour. J'imagine. Ah, donc... j'ai eu un paquet de chips, quoi, il m'a pas respecté le Père Noël, sa race. Il est deg. Allez, karma. En fait, ça sert à rien qu'on aille à la presse, hein. Ok, bah tu vas aller où du coup ? Bah du coup, parce qu'on a qu'un cadeau par jour, le Père Noël a dit. Merci beaucoup, okay. Encore. Mais tu vas aller où du coup ? Alors il faut que j'appelle le mec et tout. Ah toi, t'es toujours en mouvement, ça m'angoisse. Doucement, prends ton temps. Alors, je pense que je vais demander au mec pourquoi il cherche Sheldon et tout ça. Je vais le rappeler. Je l'appelle. Okay. Vas-y, appelle-le, on va au parking central. Mais non, t'as eu un gosse de sapin de Noël, sérieusement? Oh non. Quel gosse? Ouais, je suis au parking central, moi j'y suis déjà là. Je suis au parking central. T'inquiète, plus du lourd, gros. Attends. C'est bon depuis que j'ai sorti la caméra. La box. Ah, vous êtes où, quoi? C'est qui met la musique? Il répond Amazing pas. Amazing du Papa Noël. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est Noël avant Noël. Ah, tu connais pas, bah dégage. Ouais, ça va mieux depuis que j'ai sorti la box. En fait, je suis obligée de laisser une box 4G, je sais pas. Genre. Ouais, c'est Papa Noël. C'est mieux que ce que j'aurais si j'avais pas de box. Mon radeau était catastrophique, je pouvais pas streamer. Donc là, je peux streamer. Mais certains jours, je suis obligée de la sortir sur la petite fenêtre pour que ça marche. Il faut que je fasse une photo de ça pour le blog anonyme. Wesh, les ML. Oh, vous êtes chaud ou quoi? Je veux voir tout le monde danser là, tout le monde. Ouais. On va se mettre en haut et on va mettre une photo. Pendant la soirée je suis mort. Cette pute me regarde, je suis mort. On te démarre si tu fais le mort. Ramène le peu si tu finis mort. Je bouge du caviar à nous des cailloux putain. Caille j'ai pas mon kawé ni dommage. Dis vous ni tes malais. Faut pas de mais garde des papiers. J'ai donc décidé de me lancer. Pour tous ces que des blogs. Ouf, elle est retombée sur ses pattes. Ça va, aussi bizarre que ça va. Alors, on va faire des photos pour le truc. Si tu montres de la maille, j'espère que tu vois pas j'étale. Je vais fou, on fait du sale. On y va te caler sa balle. Dans ma rue ça devient banal. Dans ma rue ça devient banal. Je vais vous faire aussi les photos avec le téléphone sorti pour bien montrer que on pouvait voir que j'avais mon téléphone. Tout de suite d'ailleurs, hop, comme ça. Voilà. Ça c'est la photo preuve que j'avais sorti mon téléphone pour faire les photos. Ouais, t'as reçu ou pas ce que je t'ai envoyé? Ouais, je sais. T'as du quoi? Le retour. Ouais, j'ai reçu. Tu peux la mettre là ou pas? Je la mets à ton. Vas-y. Bon, j'espère que vous avez kiffé, c'est terminé. C'est tout. Mais si, pas mal, mais t'as un peu de rail ou pas? Tu sais faire du rail? Du rail? Oui. Bonjour mademoiselle, je fais une guide de France pour les enfants de Los Santos. Ah, c'est marrant, moi aussi j'en ai fait une, et du coup je l'ai déjà donné.
Ah, c'est bien dommage. Bon courage. On a fait exactement la même chose. Ouais, mais gros, ouais, faut qu'on paye, faut qu'on paye. Écoute. Oh, le Père Noël, là, écoute. Bon. On a les photos, mais on va pas les mettre tout de suite. Parce que sinon, les gens pourraient faire la relation entre nous. Donc, je vais écrire. Vas-y. Blog anonyme. Ah. Photo. Père Noël parking. J'ai des idées pas trop sincères. Pilon sur pilon, je prends des gros cernes. Sous scooter, je fais le tour de la ville. À tous les ennemis, je vous dis à la prochaine. Pour l'instant, plutôt discret. Sauf quand je rallume, faut le briquet. J'ai des amis et des proches trop distraits. Tous ces gros, je les vois tous un peu trop distants. Temps plein, petit ou grand. Même quand il fait frisquer. J'ai vu, tu vas voir la trique. Vends le boule à la même famille. Oh, il a fait qu'on. Ouais. J'ai mon poteau. Je veux pas savoir qui sont les faux crocos. N'est pas pote avec moi. Je te suis. Pour l'instant, j'opère la raison. Cristalline. Mélanger du raisin dans ma tête, y'a tout qui résonne. Sur un nouveau paquet gris là. Le temps est gris sur noir. La pluie, ah ouais, j'ai bien c'est blanc. Pas les mêmes sangs, pas les mêmes gants. Parler, mais jusqu'à quand? 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 Canardon? C'est une truc pour quoi ça? Boumine. T'as les coutons, les fesses. Ah. C'est cool. Et ouais, j'ai mis le même foulard que Lila. Ouais, je suis là, regarde, c'est qui avec moi? Ah. Salut. Boule de Yeti, comment ça va? Bah, voilà. Yeti, ouais. Nickel, ça. Je vous dis bonjour, c'est bien. Non, mais en fait, c'est juste que là, je me suis demandé des questions. Ouais, quand je regarde mes CVS, je me suis posé des questions parce que. Bon, je sais pas. Enfin, on devait se voir 5 minutes. Et puis, bah, t'y es ton pro, du coup, ouais. Bah, ouais, mais je suis là, c'est bon. C'est quand non, pas dit, Lila hier. Ah, ouais, Lila, ouais. Ouais. Ah, ouais, t'as posé un petit plan, Lila, ouais. Non, c'est pas vraiment ça. Puis, ça peut arriver des fois. Ça m'est arrivé combien de fois? Est-ce que ça vaut la peine de faire un cinéma? Bah non, on fait pas des matchs, hein. Bah alors, vous voyez pas la peine cinéma, de... Ouais, ça ressemblait à un cinéma, quand même. Ah. J'aime pas qu'on prenne la tête pour rien, c'est tout. Je déteste non, ça. Pas la tête. Communication, c'est important. Du coup, vous êtes quoi dur, les gars? On s'éloigne un peu du parking, là, parce que... Ouais, ils font du bruit, c'est con. On peut plus, moi, avec leur musique, là. Et par contre, vous avez pas un truc à... Bon, du coup, c'est quoi ton taf? Si j'ai un truc à manger, si tu veux, moi. Ah, ça serait sympa, ouais. Tu travailles dans quoi? Je veux pas trop en parler, en fait. Comment ça, tu veux pas trop en parler? Tu fais quoi? Bah, fais attends, on va discuter, là, je suis à mon bed, vraiment. Comment ça? Bah, ça fait 3-4 jours que je suis d'un, et puis j'ose pas trop vous en parler. Oh, merci. Non, j'ai tout donné. Je vais mourir de faim, du coup. C'est pas grave. Vas-y, mais tu fais quoi? Non, attends, je te rends... Merci. Mange, et puis rends-moi ce que t'as pas mangé. Ça marche. Bon, ouais, mais un peu plus loin, là. Oui, je sais pas du tout. Eh, vous savez, là, les sapins de Noël, vous pouvez regarder ouais, dedans. Ouais, il m'a donné un paquet de chips. Moi, j'ai eu un cocktail. Ah bah, j'ai eu 3 cocktails. D'un coup un? Ouais. Ma chance. Attends, je vous enfile un cocktail. Ouais, on va faire la fête. Vas-y, mais non, d'abord, tu me dis ce que tu fais là. Attends, prends un cocktail. C'est mauvais signe si on doit boire avant. Non, mais attendez. Ouais, attendez, c'est compliqué parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué là. Ok, je m'en avais. Tiens, un cocktail. Tiens, je le bois là. Merci. J'en avais déjà. Je l'ai n'un goûté encore. Ouh, j'ai bu les deux sans faire exprès. Waouh. Hop là. Je suis un peu saoul maintenant. Oh putain, ouais, c'est fou. Oh ouais, c'est fou de ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas bu. Moi aussi, pareil. Vas-y, on vient là, par là. J'ai trop bu, j'ai beaucoup trop bu. Ouais, les petits trucs. Wouhou, c'est l'heure de faire la fête. Bonjour FBI. Mode sérieuse. C'est pas un cocktail, c'est de hein. Je me sens... Ah, c'est passé. Bon, j'ai c'est toi, shot. Ah. Wouhou. Bon, alors du coup, vas-y, dis-nous. Alors déjà... Non, ici, c'est pas cool, venez. On va marcher. On va au marché. Ouais, on va au marché.
marcher. Non, on va marcher. Oh. Oh. J'aimerais acheter des tic-tac. Et hier, vous avez vu le bordel des Bloods? Vous étiez en ville hier ou pas? Non. Non, qu'est-ce qui s'est passé?